On va demander aux joueurs de demander qu'est-ce qui s'est passé au match, pas autre chose. Quel match? Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé au match? Parce que nous, vous avez le match. Bah, je pense que c'est un match qu'on a globalement très très bien maîtrisé. On avait eu une entame de match parfaite. أنا شايف المباراة احنا قدرناها بشكل كويس وعرفنا خرجنا الماتش بالشكل اللي احنا عايزينه. En première mi-temps, on s'est créé, en plus du but, trois autres occasions nettes qui auraient pu nous permettre de mener au score plus largement. الشوط الأولاني بخلاف الهدف اللي أحرزناه كان فيه ثلاث فرص حقيقية كان ممكن نزود عدد الأهداف في الشوط الأولاني. Et même si on a eu des moments plus difficiles en début de deuxième mi-temps, je pense que sur l'ensemble du match, c'est une victoire amplement méritée. Le fait d'écarter Zakaria Turki, ce n'était pas prévu pour tout le monde. Ce sera votre philosophie d'écarter le joueur qui n'a pas joué un match. Ça n'est pas joué du match d'après. Je peux simplement répondre à la question par le fait qu'avec moi, il n'y a pas de joueur écarté. J'ai la chance d'avoir une trentaine de joueurs que j'utilise en fonction de leur forme du moment. بقول زي ما بقول دايما ان ما عنديش لعيب مستبعد ولعيب بيلعب اساسي اللعيبه كلها عندي 30 لعيب بستخدمهم حسب سير المباراه وحسب ظروف كل مباراه On a énormément de compétitions, énormément de matchs à jouer, donc d'un match à l'autre, en fonction de ce que je ressens, je peux utiliser des joueurs et d'autres. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la semaine dernière, Marouane avait fait une très bonne rentrée qui nous a permis d'égaliser. Aujourd'hui, Salam Hossein est rentré. Donc, il y a toujours matière sur une saison à donner leur chance à plus de joueurs que. Et autant j'en ai beaucoup, alors autant les utiliser. انا عندي 30 لعيب في الفريق بتاعي بستخدم كل اللعيب على حسب المباراه اللي بيتراءى ليا من وجهه نظري الفنيه المناسب المباراه دي النهارده مؤمن زكي ما لعبش الماتش اللي فات كان كابتن صلاح محسن سالوني ليه ما بيلعبش ولعب النهارده ولعب كويس قبل كده كان في مروان محسن لعب الماتش اللي فات كل اللعيبه بتاخد دورها في اللعب على حسب سير المباريات انا عندي مباريات كتيره هلعبها مع الاهلي الفتره الجايه وهستخدم اللعيبه على حسب سير كل مباراه تفضل يا فندم. Vous avez beaucoup de matchs la prochaine période. Comment vous allez travailler avec ce grand nombre de matchs? Comment vous pouvez arranger votre calendrier avec tout le match? Ma philosophie, c'est vraiment que tous les joueurs qui portent le maillot d'Al Ahly, on s'occupe d'eux et qu'ils soient prêts à être compétitifs en temps et en heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un comme Mido a pu jouer 90 minutes. C'est ma philosophie. Je ne veux pas simplement m'intéresser à une équipe de départ. Je sais qu'à tout moment dans la saison, on va avoir besoin de tout le monde pour être compétitif dans toutes les compétitions. دي النقطة اللي كان بيقولها من شوية إن اللعيبة كلها عنده فوت تبقى جاهزة، هو أي نعم في عدد مباريات كبيرة الفترة الجاية عندنا، لكن أنا بجهز كل اللاعبين عشان يبقوا جاهزين عشان وقت ما أحتاجهم يبقى عندي أكتر من فريق ألعب بيه، كلنا شفنا النهاردة ميدو جابر كان بقاله فترة ما بيلعبش ما بياخدش ماتشات، النهاردة لعب 90 دقيقة وكان جاهز وكان مستعد، كل اللعيبة مستعدين بدنيا ونفسيا عشان يشاركوا في أي وقت. بس بقى عامل سوليه ده في سوليه عامل سوليه الثاني اللي هو حاج يعني نزلت صلاح ناصر ماهر ده لاعب مهم جدا في صنع لعب مهم جدا في سورتير لو مانير دو جو ناصر ماهر كان بون جوار نزلت بقى كيف مكانه vous avez mis un défenseur à sa place parce que c'est votre vision défensive je voulais savoir pourquoi vous aviez ce remplacement là c'était bien de garder le meneur de jeu que d'avoir un défenseur j'ai fait ce choix là pour passer de 1-0 à 2-0 après Nasser est un joueur je le redis je l'ai déjà dit la semaine passée Nasser est un joueur formidable un très très bon meneur de jeu qui quand il est arrivé il y a quelques semaines en arrière était blessé ne pouvait pas s'entraîner et que je veux préserver physiquement pour vraiment petit à petit
le faire monter en puissance dans l'équipe. Et c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas encore prêt physiquement et je ne veux pas prendre de risque, le risque de le blesser. زي ما قلت في المباراة اللي فاتت لما اتسألت نفس السؤال ده ناصر ماهر خرجته ليه؟ ناصر ماهر لعيب مهاري ولعيب هايل وأفضل لعيب الفريق عندي لكن بقاله فترة بعيد فراجع بدنيا ما يقدرش يلعب 90 دقيقة فزي ما لعبته الماتش اللي فات عدد دقايق معينة وتخرجته المرة دي اديته برضه وقت وهخرجه لغاية لما يقدر ياخد 90 دقيقة. لكن أنا قصدي إن ظروف المباراة في مساحات فاضية أنا طبعا صعب القرار C'est votre point de vue, mais moi, pourquoi vous n'avez pas remplacé un meneur de jeu avec un meneur de jeu? Pourquoi vous mettre un défenseur? Je pense que Walid Soliman, qui est passé à sa place meneur de jeu, peut aussi jouer meneur de jeu. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut également s'adapter et respecter l'adversaire. L'adversaire a été mené au score, a jeté toutes ses forces dans la bataille et passé avec deux avant-centres. Et j'ai estimé que faire ce changement-là nous permettait d'avoir une assise défensive avec Ayman Ashraf latéral gauche, avec Ali Maloul milieu gauche et avec Walid Soliman en numéro 10. بيقول انا لازم برضو يعني احترم الخصم اللي قدامي قال انا لعبت وليد سليمان بيلعب بيوجيت برضو اللعب في المنطقه دي وبرضو لازم احترم الخصم اللي قدامي فرقه كويسه ولعبت باثنين روس حربه في الفتره الاخيره في اخر دقائق في المباراه فكان لازم التغيير ده عشان اقدر اقابل اثنين مهاجمين فنزلته مع وجود علي معلول وايمن اشرف عشان اقدر اقفل عليهم. عمرو السليه بيسيو ده عمرو السليه. Le docteur n'est pas très inquiet. On passera un examen demain par rapport à, mais je ne pense pas que ce sera trop méchant. Bonjour. Le championnat, j'ai la chance de le connaître puisque j'étais, comme vous le savez, à Wadi Degla il y a quelques années en arrière. C'est pour moi qui ai l'expérience de l'Afrique, de très très loin, le plus grand championnat. Ce championnat est incroyablement homogène. Il y a beaucoup de très bons joueurs et beaucoup de très bonnes équipes. Chaque match est une vraie bataille. Et je sais qu'il va falloir qu'on fasse une année fantastique pour pouvoir exister dans ce championnat. On est très motivés, mais ça va être une bataille formidable. Les deux matchs, Ismaïl et Mansri, sont deux matchs très difficiles, les premiers matchs du championnat. Oui, en sachant effectivement que. حاضر طب حاجة ترجم السؤال الأولاني قدرت تتكون صورة عن قوة الدوري المصري وعن فرقة الأهلي هو جاوب قال الدوري المصري أنا متابعه لأن كنت في أفريقيا وعارف إن الدوري المصري من أقوى الدوريات في أفريقيا وإحنا يعني في زي بطاي زي معركة إحنا عشان ناخد ثلاث نقاط وإحنا قادرين ننافس يعني إن شاء الله سهل السؤال الثاني كان إيه؟ Ouais, ça a été pour nous très difficile parce qu'on avait vraiment joué les deux matchs de Champions League avec beaucoup de pression et démarrer par deux matchs aussi difficiles que jouer Ismaïli et Masri, c'était très très difficile. Mais en tout cas, je suis très heureux qu'à la fois on ait eu l'état d'esprit de revenir au score contre Ismaïli et qu'aujourd'hui on ait montré une belle progression. هي سألته عن الماتشات اللي هي كانت قدام الأول ماتشين في الدوري قدام الإسماعيلي والمصري هو بيقول طبعا دول فرقتين أقوياء ولعبنا معاهم كان حظيا بعد ماتشات بطولة أفريقيا لعبنا قدام الإسماعيلي والمصري أنا راضي عن فريقي الماتش الأولاني كنا مغلوبين وعرفنا نرجع في النتيجة ونتعادل قبل نهاية المباراة والماتش ده كسبناه وأنا راضي بشكل عام راضي عن فريقي. سؤالين بس